Bibou est le nouveau justicier. Venez, je veux avoir le dernier numéro de Zoé Zap avant qu'il n'y en ait plus. Il paraît qu'elle va combattre un nouveau méchant. C'est ça, Clarisse la Malice. Ça va être un duel super. Zoé Zap attaque éclair. Hein? Oh, 1000 reptiles. Où sont passés tous les livres? Oh, désolé les enfants, je n'en ai plus un seul. Quelqu'un a cambriolé mon magasin la nuit dernière et m'a tout volé. La nuit dernière? Voyons, quel méchant a bien pu faire une chose pareille? C'est à nous de le découvrir. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient... Yo-yo! Désolé, on n'a pas le temps de discuter. On a un voleur à retrouver. Tous à l'astro-hibou. Hé, si ça se trouve, Clarisse la Malice existe pour de vrai. C'est peut-être elle qui a volé les bandes dessinées. Alors là, ce serait cool, Caméléon. J'ai rien dit. Le cambrioleur n'a pas forcé la serrure pour entrer. Oh. Ou alors il n'est pas passé par la porte. Oui, il est peut-être passé par le toit. Je vais vérifier. J'espère qu'il a laissé des indices. Glu-glu, main collante. Ouvre-nous une fois que tu seras entré. Ici. C'est bien connu, les criminels reviennent toujours sur les lieux du crime. Quoi? Tu crois que c'est nous qui avons fait ça? Pas du tout, nous on est les gentils, je te rappelle. C'est vrai, en plus je suis super fan de bande dessinée. Et Zoé Zap est mon héroïne préférée. Ah ouais? Moi aussi. Bien essayé le moineau. Mais j'ai découvert des indices et j'ai trouvé les coupables, c'est vous trois. De quels indices tu parles? Voyons voir, je parle de ça. De ça et de ça. Mais il n'y avait rien de tout ça quand on est venu ici tout à l'heure. Non, quelqu'un a dû les mettre après notre départ. Vous ne croyez quand même pas que je vais avaler ça? Justice doit être rendue. Parole de Tatourotum. Tatourpillon. Tiens, tiens, et regardez ce que j'ai trouvé caché dans votre astro-hibou. Maintenant il est temps d'avouer les pyjamas machins. Comment ces BD sont arrivés là? Quelqu'un essaie de nous tendre un piège. Bah voyons. Mais c'est la vérité, il faut nous croire. Non les petits malins, c'est moi le seul vrai héros de cette ville. Et je dois faire régner l'ordre. Signé Tatourotum. Tatourotum, arrête! Tu ne te rends pas compte que tu ne fais que des dégâts? Oups, je devrais m'entraîner de temps en temps. Mais je continuerai jusqu'à ce que justice soit rendue! Je m'occupe de le semer. Vous, essayez de trouver qui nous a tendu ce piège. Yo-yo, rapido! Tatourotum, par ici! Yo-yo, monte vite! Yo-yo, acrobatson! Pyja Robot, tu peux nous montrer ce que les caméras de la librairie ont filmé avant notre arrivée? Excellente idée!
Si on montre à Tatourotom que c'est quelqu'un d'autre qui a laissé les indices, il comprendra que nous sommes innocents. Ninjaka, c'est lui qui a voulu nous piéger. Vous pouvez toujours essayer de fuir. Je vous retrouverai, les pigeons voleurs. Tu tombes bien, on partait justement à ta recherche. Ça y est, vous êtes prêts à vous rendre? Je ne vois pas pourquoi on s'en irait puisqu'on n'a rien fait du tout. On a trouvé le coupable. Viens voir. Les ninjas, ils s'en sortiront pas comme ça. Hé, pas si vite. Il faut d'abord qu'on découvre pourquoi ils ont voulu nous piéger. Peut-être que Ninjaka a fait croire que nous avions cambriolé la librairie pour faire diversion. Et pour que Tatourotom nous arrête. Exact. S'il sait que nous sommes occupés ailleurs, il peut faire ce qu'il veut pendant ce temps-là. Ou alors, peut-être que Ninjaka s'est dit que si les héros de cette ville étaient occupés ailleurs, ils pourraient faire ce qu'ils voudraient pendant ce temps. Je n'y aurais jamais pensé. C'est parti. Allons arrêter ces méchants ninjas. Signé Tatourotom. Et si tu changeais de style cette fois? On peut y aller en douceur et être aussi malin que Zoe Zap. Sont justement en train de l'installer. Bientôt, toute la ville pourra admirer le plus grand de tous les ninjas. Et comment tu comptes la déplacer, ta statue géante? Même moi, j'ai pas assez de force pour la tirer. Normal, toi, tu n'as pas de doigt magique de ninja. Nous allons commencer par enlever l'affreux totem des Pyjaminus. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à le remplacer par ma statue. Au travail, les ninjas oeufs. Oui, c'est bon. Bibou Tornado. Les pigeonouilles. Je pensais que tu allais les mettre en prison pour avoir volé toutes les BD. Tatourotom est au courant que tu nous as piégés. Attaque d'étoiles collantes. Mon petit jeu est terminé, Ninjaka. Oui, et tu vas regretter d'avoir essayé de nous piéger. En mode Tatourotom. Moi. Repose-moi tout de suite. Non. Si tu t'étais occupé des super héros comme je l'avais prévu, j'aurais pu installer ma statue et je n'aurais pas eu à faire ça. Ça va? Rien de cassé? Venez. Yo-yo, Ligoto! Bibou, mille plumes! C'était trop génial! Merci de ton aide! Oh, je t'en prie, j'aurais pas dû vous accuser d'avoir cambriolé la librairie. J'aurais dû savoir que c'était pas le genre des pyjamas. Ce n'est rien, tu voulais simplement que justice soit faite. Toi aussi, tu as été piégé par Ninjaka. D'ailleurs, j'ai une petite surprise rien que pour lui. C'est l'heure d'être un vrai héros. Oui, bon, d'accord, vous avez réussi à sauver votre QG. Et alors? Je n'en ai pas fini avec vous. Vous pouvez rester caché derrière cette barrière de plumes grâce à mes super étoiles collantes. Vous serez bientôt coincés là pour toujours. Oh. À toi de jouer. Luc le reptile au camouflage. Yo-yo acrobato. Yo-yo rapido. Ninja,
fait décoller, comme ça ils pourront ramener leur statue chez eux. Ou alors, on les laisse se débrouiller. S'ils voient combien leurs collègues luantent, ils n'auront peut-être pas envie de recommencer. Pendant ce temps-là, on pourra remettre les bandes dessinées à leur place. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Avec l'aide de Tatou Rotom! Ça suffit maintenant! Je vais te mettre hors d'état de nuire! Une fois pour toutes! Oh non! Est-ce que t'as entendu? Il faut qu'on aille aider Bibou! Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Clarisse la Malice! Zoé Zap, attaque éclair! Désolée! Glu-glu et les algues fluorescentes! Le dernier épisode de Maître Fang était vraiment incroyable! Wow! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez, c'est vert et gluant. Bork, on dirait de la vase, comme au fond d'un marais. Mais là, c'est sur des voitures. Bork, il faut qu'on découvre pourquoi. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient... Yo-yo! Tu as vu toi aussi? Qu'est-ce que c'est? Tu as des indices? Attends, reviens en arrière. Le labo de Roméo, mais sans la cabine de pilotage. Oui, la cabine qui peut se déplacer sous l'eau. Puis, robot, montre-nous les temps du QG. La voilà. Mais quel est le rapport avec cette matière verte et gluante? Je ne sais pas, mais celui qui pourra le découvrir, c'est le souverain des eaux. Tu te rappelles ta mission sous l'eau? Contre Roméo et son affreux poulpe au robot. T'avais été super. Oh, c'était facile. Cette fois, ce sera toi le chef. Attends, tu es sérieux? Oui, c'est une mission qui doit être dirigée par le souverain des eaux. Où est-il, à votre avis? Oreille de chat. Dans la grotte, souverain des eaux. Droit devant. C'est parti! Vous les piges à casse-pieds, vous me retrouvez à chaque fois! C'est parce que tu laisses trop d'indices derrière toi. Bon, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est notre étang. Ah oui, le vôtre? Eh bien, à mon dernier passage dans mon... Je voulais dire, dans votre étang, j'ai trouvé ces petites choses. La matière verte? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des algues, petit chat ignorant. Des algues super méga puissantes. Ha! Elles sont juste fluo, c'est tout. Mais justement, elles sont fluo car elles possèdent une formidable énergie qui vient du cristal qui alimente votre QG. C'est pour ça qu'on en trouve ici. Elles sont extraordinaires. C'est ce que tu veux nous faire croire. Pyjama Robot, c'est vraiment vrai? Par mes oreilles de chat, il dit la vérité. Mon labo, mes machines et toutes mes futures inventions seront un million de fois plus puissantes. Vous n'avez pas vu les dégâts que mon labo amélioré a fait dans la ville? Depuis, j'ai encore mieux. L'algo fluo, ma toute dernière invention. Elle me permet, regardez, de paralyser qui je veux et donc, grâce à elle, je pourrai devenir le maître du monde! Maître, cette invention ne plaît pas du tout à Robot. Oh, arrête de jouer les rabat-joie, vieux tas de ferraille! Ces algues sont vraiment puissantes, n'est-ce pas? Et vous n'avez encore rien vu! Parce qu'au fond, tout au fond de l'étang, il y a un coin rempli d'algues fluo. Et je vais mettre la main dessus! Hein? Il faudra d'abord que tu affrontes le souverain des eaux. Et c'est justement pour ça que je possède ceci. Wow!
Inutile de vous cacher, tôt ou tard je vous trouverai. Il faut qu'on atteigne ces algues avant lui. Je vais attirer son attention en faisant des acrobaties. Et vous en profiterez pour filer dans la reptilomobile. Non, attends, on peut faire encore mieux. Vous y allez tous les deux. Et moi, grâce à mon camouflage, je lui prends son algo fluo par surprise. Il ne pourra plus rien contre nous. Mais s'il nous attrape, tu seras seule contre lui. Mais non, t'inquiète, je suis le souverain des eaux. Je vais assurer. Comme tu voudras, chef. Vous êtes prêts? On y va maintenant. Glu glu reptilo camouflage. Mettre les pyjamasques. Wouhou, tu m'attraperas pas. Capture-la, vite. Oui, maître. Yo-yo, file à la vitesse de la lumière. Et échappe au savant fou en évitant ces tirs d'algues fluo. Dis, ça t'arrive de te taire, pyjamoulin, parole. Au voleur. Génial. Lâche ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? Glu glu méga muscle. Petite part, ce champ de force ne peut être brisé que par mon algo fluo, que je vais d'ailleurs aller recharger sans plus tarder. Soyez sage. Suis-le, Glu-Glu, on t'attend ici. Mais vas-y vite. Bon, d'accord, le souverain des eaux et chef de cette mission doit agir. Tu peux y arriver. Tu as juste fait une petite erreur. Prends garde à tes écailles, Pyjaminus. Non. Ressaisis-toi, Glu-Glu. Je suis fort et je sais nager. Je peux y arriver. Tu n'as pas encore gagné, Roméo. Voilà. Tu ne me rattraperas jamais, cuisse de grenouille. Ah, tu crois ça? Eh bien, tu vas voir. Hein? Oh non! S'il prend l'énergie de toutes ces algues, on est fichu. Bien essayé, mais tu n'as aucune chance de m'arrêter avec ta petite nage ridicule. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Retourne plutôt grimper sur les murs, petit lézard. Merci pour ce numéro comique. Décidément, tu as tout du poisson clown. Rira bien qui rira, le dernier. Et ça se prend pour un chef? Quand je dirigerai le monde, je te montrerai moi ce que c'est un vrai chef. Non. Et tu peux oublier tes amis. Ils ont eu tort de te faire confiance. Ils vont rester coincés dans leur grotte pour toujours. Non, ne laisse pas tomber. Souviens-toi, rien n'arrête le souverain des... Hein? L'énergie des algues? C'est ça qui me... Je te fais toujours rire? Non! Dis-moi que je rêve! Tu as absorbé toute l'énergie des algues! Il n'en reste plus une goutte! C'est pas juste! C'est moi qui voulais la voir! Glu-Glu! Je suis de retour! Mais tu n'as pas l'algo fluo? Comment tu vas nous délivrer? Grâce à l'énergie fluo que les algues m'ont donnée! Tu veux avoir affaire au souverain des eaux? Maman!
ton tour. Au revoir, le lézard. Tu n'es qu'un tétard. Glu glu, bouclier, écaille. À présent, c'est Algue Fluo contre Super Trio. Bibou, lance ton mille plumes, maintenant. Avec plaisir, souverain des eaux. Yo-Yo, prends l'Algo Fluo avec ton Ligoto. Tout de suite. Yo-Yo, Ligoto. Et pour finir, Glu Glu Méga Muscle. Tiens, Roméo, je te le rends. Non! Pitié, maître, pas encore le rayon paralysant. Le réservoir est vide, espèce de boîte de conserve. En plus de ça, le lézard a vidé les algues de toute leur énergie. Il faudra attendre des années avant de pouvoir faire une nouvelle récolte. La prochaine fois, je vous aurai, les piges à casse-pieds. Glu glu, t'as vraiment assuré. Merci, mais je vous ai quand même mis en danger. Je ne suis pas un très bon chef. Mais si, voyons, tu as sauvé la situation. Nous l'avons sauvé, ensemble. On n'aurait pas pu si tu n'étais pas revenu nous libérer. Tu es un grand chef de mission, souverain des eaux. Ta voiture est réparée? Oui, et si tu veux, la prochaine fois qu'on fera une mission sous-marine, je te laisserai la conduire. Pyjamasque, on crie hurrah! C'est fini, on a réglé les tracas! Bibou et le télescope. Bon alors, vous vous dépêchez? Mettez immédiatement le télescope en place, ou gare à vos antennes. Retourner au musée. Pourquoi faire? Pour qu'il prenne la poussière? Alors qu'on peut faire tant de choses avec. Comme découvrir de nouvelles étoiles. Oh, mais il y a tellement mieux que ça. Ce télescope peut surtout augmenter les pouvoirs de mon aimant lune. Et donc vous, la seule chose que vous découvrirez avec mon télescope, c'est ce que ça fait d'être aspiré dans l'espace. Oh! Il faut attraper Sorceline. Yo-Yo, Ligoto. Hé, je te tiens. Papy Nuit. Prêt pour un aller simple dans les étoiles? Je suis prisonnier du rayon. Elle ne m'échappera pas. Attention, évite le rayon ou il t'aspirera toi aussi. Glu glu. Yo-Yo, Ligoto. Je vais te tirer de là. Ouh, ça ira très bien dans ma forteresse lunaire. Ça aussi, et ça aussi. Tu n'as pas le droit de prendre tout ça. Ce ne sont pas tes jouets. Si, j'en ai le droit, en tant que super méchante. Attends, que dirais-tu d'accompagner ton ami Yo-Yo sur la lune? Ce voyage est annulé. Wow! Yo-Yo! On va bien! Occupe-toi de Sorceline! Tu as cassé mon rayon de lune! De toute façon, ce télescope appartient au musée. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Erreur! Ce télescope appartenait au musée. Maintenant, il est tout cassé à cause de toi. Tu parles d'un héros. Ce n'est pas ma faute! Moi, je crois bien que si. Mais c'est pas grave, je me débrouillerai autrement pour mon rayon de lune. Ha ha ha! Bien joué, Bibou. Tu as battu Sorceline et sauvé le télescope. T'es la meilleure. Ah, à propos de ça... Non, c'est pas possible. La lentille du télescope est cassée. Venez voir. Oh, quoi? C'est terrible. Quel malheur. Pourquoi Sorceline a fait ça? Eh bien, en fait, c'était... Sûrement pour se venger de nous. Ou peut-être que c'était juste un accident. Tu plaisantes? Quand les méchants font des bêtises, c'est toujours exprès. Parce que ça les amuse. Cette fois, Sorceline est allée trop loin. Ce soir, on arrête Sorceline. J'en ai plus qu'assez de la voir tout détruire. Peut-être que le télescope, ce n'était pas elle. Tu étais là. C'est forcément elle qui l'a cassé. Il faut qu'on intervienne avant qu'elle ne fasse d'autres dégâts. Notre ville compte sur nous pour agir. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Amaya? Les soucis, on les règle la nuit! La
nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas! Pyjamas, montre-nous où se trouve Sorceline! Ou alors, au lieu de la poursuivre, on a qu'à sauver un chat coincé sur un toit. Regardez, une lumière qui clignote. Allons voir ce que c'est. Je ne vois rien qui clignote. Alerte, les papis nuits sont au musée. Tous au chabolide. Oh, ça ne va pas du tout. Ils accusent Sorceline, mais c'est moi qui ai cassé le télescope. Bibou, tu viens? Oh, le télescope n'est plus là. Il doit être en réparation. Ouf, il sera bientôt comme neuf. Problème résolu. Ou alors, c'est Sorceline qui l'a volé. De nouveau, regardez. Finalement, c'était rien. Juste une fausse alerte. Laisse-moi voir. Yo-yo, acrobatons. Les papis nuits. Sorceline ne doit pas être loin. Oh, la lune est super haute. Il faut qu'on trouve Sorceline avant qu'elle mette en place son portail lunaire. Séparons-nous. Oh, Sorceline, il faut que je la fasse partir ou on aura toutes les deux de gros problèmes. Voilà, grâce à cette nouvelle lentille, mon portail lunaire sera 10 fois plus puissant. Plus un geste, Sorceline. Attends, tu l'as réparé? Mieux que ça. Disons que je l'ai réparé en l'améliorant. Alors, on est quitte? Non, non, on n'est pas quitte du tout. Tu l'as cassé, moi je l'ai réparé. Tu me dois quelque chose. Aha! Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Tu exagères. On sait que tu as cassé le télescope, Sorceline. Oh! Attends, ils ne sont pas au courant? Au courant de quoi? De rien, rien du tout. Maintenant, éloigne-toi de ce télescope. Non, si je l'ai réparé, c'est que je compte m'en servir pour mon portail lunaire. Et ni toi ni personne ne pourra m'en empêcher. Ah, tu crois ça? Bien sûr. Papy Nuit, attrapez-la. Bibou, protège le télescope. Ah non, enlève. Pas une deuxième fois. Tu n'as pas pu le casser, cette fois. Pour la 100e fois, les pyjaminus, ce n'est pas moi qui l'avais cassé. Alors qui c'est? Oui, qui? Il n'y avait que toi et Bibou sur le... Hein? C'est bon, je l'avoue. Ce n'était pas Sorceline la coupable, c'était moi. Quoi? Je l'ai cassé sans faire exprès, en m'appuyant dessus. C'était un accident. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Je ne savais pas comment vous l'avouer. C'était plus simple de laisser accuser Sorceline, puisqu'elle fait tout le temps des bêtises. Mais c'était injuste et indigne d'un héros. Et c'est elle qui a réparé le télescope. Quoi? Et je vous demande pardon de ne pas m'être dénoncée tout de suite. Oh, Bibou, quelles excuses touchantes! Mais ça ne change rien à mon projet. Papy Nuit! Arrêtez! Ça fait des guilis! Plus puissant qu'avant. Ça t'est pas atteint, crâne de piaf. Bon, et maintenant, que vais-je pouvoir emporter dans ma forteresse lunaire? Mais oui, bien sûr, 3 petits pyjas prisonniers. Papy Nuit, attrapez-les!
Désolé les enfants, vous ne pouvez pas jouer ici. Des animaux ont mis le bazar dans toute la cour. Il y a des déchets partout. Vous en connaissez des animaux qui lisent des BD? Maître Fang et le docteur Carrie. Qui a pu le déchirer? Oh, les farfelous! Peut-être que les trois toutous essaient de trouver un nouveau territoire rien qu'à eux. Ou de voler celui de quelqu'un d'autre. Dès qu'ils vont quelque part, ils se croient chez eux. On ferait mieux de les surveiller. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter le terrible méchant. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Pyjarobot, tu as vu les farfelous? Il faut qu'on les trouve. Tous à l'agro-hibou! Il y avait trop de poussière au musée. Et trop de livres à la bibliothèque. Hé! Hey, et une cabane dans les arbres! Non, bien trop de feuilles. Il nous faut une tanière extraordinaire. Vite, cachons-nous! Ce sont les pyjamasques. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'il y a des méchants dans le coin? Non, c'est nous les petits méchants loups, tu as oublié? Là, regarde! Leur QG! Oh, oui, c'est une tanière gros super! Leur QG est à nous, allons-y! Salut, c'est Yo-Yo! Yo-Yo Rapido, qui c'est? Ouvre-nous, allez, vite! Et moi, Glu-Glu, je suis là aussi. Pyjamas, vive le pyjamas. T'en fais trop, arrête.
rentrer dans notre QG? Oh non! Ils vont laisser des poils partout sur nos affaires! On ne peut pas laisser faire ça! Hé! Regardez! Oh! On peut le garder? J'ai toujours voulu avoir un robot garou de compagnie! Ouais! Il pourra nous servir! Commence par nous faire visiter, robot garou! Hé, hein? Hey, non, non, arrête, je me chatouille. On ne partira pas d'ici. Donc soit tu fais ce qu'on te dit très gentiment, soit on met le bazar dans tout le QG. Par quoi on commence? On va commencer par mettre de la bave sur ce grand jeu vidéo. Oh, cool! Moi aussi, j'ai envie de faire une partie. Ce n'est pas un jeu vidéo. C'est une télécommande géante pour notre nouvelle tanière. Je vais appuyer un peu partout et trouver le bouton pour verrouiller la porte. Tant pis si ça fait tout exploser. Je t'ai eu. Maintenant, tes copains en pyjama ne peuvent plus rentrer. Allez, robot garou, je voudrais boire quelque chose. Je vais prendre un diabolo fraise. Moi, j'en veux un labricot. Et moi, je prends un kiwi ananas. C'est verrouillé. Je vais entrer par une des trappes et je viens vous ouvrir. Glu glu, main collante. Ça y est, les jus de fruits sont servis. Bien joué, robot garou. Oh, de la musique! Cool! Ouais. Oh, super! Ouais, yeah! Aïe, aïe, aïe! Ouais! Hé, hey, regardez! Il y a même un film sur les pyjamasques! Hein? C'est la caméra de surveillance! Ils essayent d'entrer! Arrêtons-les! Il doit y avoir un bouton pour les empêcher de pénétrer dans leur QG! Garou, reste ici. Je veux garder un œil sur toi. Wow! Les bouelles de la nuit. Wow! Je te tiens. Ouf, merci Bibou. Très bien, passons au plan B. Je vais nager et entrer par le souterrain. Hein? Trop tard, ils ont trouvé le bouton d'allumage de la fusée. Non, notre QG. Wow, oh, qu'est-ce qui se passe? Trop bien. Ce n'est pas un simple QG, c'est une fusée spatiale. Oh zut alors. Mais c'est trop bien, on va pouvoir aller sur la lune. La lune? On va devenir super carreau. Ouais. Génial. Ouf, ouf. Il faut trouver le bouton de décollage. Vous croyez que c'est lequel? C'est moi, c'est celui-là. Alors celui-ci. Je ne peux plus passer par le souterrain maintenant. Tant que les farfelous ne trouvent pas comment faire décoller la fusée, ça nous laisse un peu de temps. Pyjama Robot est toujours à l'intérieur. Peut-être qu'il pourra nous aider. C'est notre seul espoir. Si jamais on perd notre QG, les pyjamasques, c'est fini. Pyjama Robot, essaie de t'enfuir et empêche la fusée de décoller. Il faut forcément appuyer sur un de ces boutons pour allumer la fusée. 1, 2, 3. Celui-là. Et voilà, paré au décollage. Pyjama Robot, arrête les moteurs. Pourquoi on ne bouge plus? Tilou, qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Mais où est passé Robot Garou? Il est là. C'est lui qui nous empêche de démarrer la fusée. Hé, hey, les copains, j'ai réussi à la démarrer. Ça va? Trop tard. Vous n'auriez pas un autre plan par hasard? Eh bien... j'ai une idée. Suivez-moi, il faut qu'on se dépêche.
Glu-glu méga muscle. Bien joué. Je n'ai plus qu'à entrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe encore? Robo-Garo a dû appuyer sur un bouton. Il fait tout pour aider les pyjamasques. Attrapons-le. Aïe. Oh non, pyja-robot. Yo-yo, pyja-robot, fonce, bibou. Échappé belle. Je crois qu'on peut dire adieu à notre QG. Reviens, c'est trop dangereux de les suivre. Il vaut mieux qu'on reste ensemble. Oui, Glu-Glu a raison, c'est ce qui compte le plus. Tu as fait tout ce que t'as pu pour sauver le QG, pyja-robot, mais c'est trop tard. Désolée de t'avoir mis en danger. Ah oui? Tu crois que tu peux reprendre le contrôle du QG? Il est trop loin. On peut pas l'atteindre. C'est un plan qui semble super risqué. Mais j'adore ça. Tu sais, tu peux encore changer d'avis. Tu as raison. C'est l'heure d'être un vrai héros. Glu-glu méga plus. De tout à l'envers. C'est sûrement parce qu'on va atterrir. Accrochez-vous, on arrive sur la Lune. Les copains, préparez-vous à devenir super garous. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites sur la Lune? Oh non, on est toujours sur Terre. Vous êtes dans notre QG. Retournez dans vos paniers. Pas question. Pyja-robot, tu peux mettre en marche les ascenseurs et la trappe du toit, s'il te plaît. Ah, nous voilà enfin chez nous. Ça fait du bien d'être de retour. Oui, et si on a pu retrouver le QG, c'est grâce à notre super copain. Merci, pyja-robot. Tu danses très bien, tu sais. On crie « Hourra !» Cette nuit, on a réglé les tracas. Glu-Glu et le gentil farfelou. Tilou, ne reste pas planté là. Viens plutôt nous aider. Je le sens pas trop, moi. Voler de la peinture juste pour faire des bêtises avec. T'es pas marrant. Ce sera rigolo de laisser des empreintes colorées partout où on passe. On va bien s'amuser. On pourrait pas faire une jolie peinture au lieu de tout barbouiller. Regardez la règle que je vais faire. Règle, hein? Attention. Hein? Oh. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Des traces de pattes. Ce sont celles des farfelous. Et si les farfelous sont sortis, c'est pour faire des bêtises. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... T'as vu quelque chose, pyja-robot?
nains farfelous ont sali toute la ville. Mais je vais vite les retrouver avec ma hibou vision. Tous à la reptilomobile. Aou, aou. Aou, aou, aou. C'est trop rigolo. Tu veux dire rigolo. Tu n'oublies pas de compter les points, hein, Tilou. Tant mieux, parce que c'est moi qui vais gagner. Wow. Raté de poil au nez. Arrêtez de mettre vos empreintes partout. Pas question, il est drôle notre jeu. Tous à lire exprès, c'est pas amusant. C'est méchant, on est des loups. On doit être méchant, nos griffes et nos crocs, c'est pas pour rien. Mais Tilou aussi est un farfelou. Pourtant il ne fait rien de mal. Plutôt que mettre des traces de pattes, moi je préférais faire d'autres choses avec la peinture. Peut-être, mais c'est ce qu'il y a de plus drôle. Allez, venez, on va tout peinturer. Au, au, au. Pas oublié à quoi sert ce bouton. Oh, oh, oh. Serpent rampant. Pas long, j'ai horreur de ça. Allez, viens, t'es un farfelou ou une poule mouillée. Côte, côte, couda. Pierre Robot a retrouvé la reptilomobile. Elle est à l'école. Reposez ces pots de peinture. Tilou, rejoins-nous vite. Les piges à casse-pieds nous ont retrouvés. Bibou, bibou. Vous deux, rattrapez-les. Moi, je vais chercher Tilou. Oh non, mince. Hein? Quelle jolie fleur. Merci. Ah, glu glu. C'est vrai, tu sais, elle est très réussie. Mais je croyais que toi et tes copains, vous ne vouliez pas qu'on mette de la peinture partout. Mais là, tu n'en as pas mis partout. Tu dessines gentiment sur une feuille. Ça, c'est pas une bêtise. Regarde. Trop cool ton arbre. Je viens de comprendre pourquoi tu n'aimes pas le jeu de Loon et Scarlou. C'est parce que eux, ils aiment tout salir, alors que toi, tu aimes peindre. Oui, c'est ça. Tu es un gentil farfelou. Oui, c'est possible que ça m'arrive. Non, c'est pas possible. Loon et Scarlou disent qu'un farfelou ne peut pas être gentil. Mais un méchant farfelou n'aurait jamais pu faire une aussi jolie fleur. Tu veux peindre un peu avec moi? Ajoutons un peu de couleur. Ouais. Juste à temps. En remerciement pour ce chouette moment. Oh, Tilou, c'est vrai que c'était chouette. Finalement, un loup et un lézard peuvent être copains tous les deux. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais de transformer ce lézard en lézard au loup? En fait, je trouve que c'est sympa d'être un gentil farfelou de temps en temps. Tilou, hein? Mais qu'est-ce que tu fais avec le tétard? Tu devais nous rapporter de la peinture, pas faire un atelier dessin. Ah, ousse les pigeonouilles. Yap, yap, yap. Glu-glu, main collante. Qu'est-ce que t'attends, Tilou? Viens hurler avec nous. Là, j'ai pas trop envie. Qu'est-ce que tu racontes? J'en ai assez d'être un vilain farfelou tout le temps. Je veux être gentil. Je ne veux plus être un grand méchant farfelou. Hein? Tant pis pour toi. Yap, yap, yap. Ah!
est des méchants. C'est à force de dessiner avec le tétard. Il se prend pour un petit jaloux. Arrêtez. On peut être un farfelou sans passer son temps à faire des bêtises. Dans tes rêves, peut-être. Je veux pouvoir être moi-même et être libre. Libre d'être méchant ou bien d'être gentil si j'en ai envie. Mais un gentil farfelou, ça n'existe pas. Ce n'est plus un farfelou du tout. Soit t'es méchant, soit tu t'en vas. Si c'est ça, je préfère m'en aller. Je quitte la meute. Comme tu veux. Allez, viens, Scarlo. Plus un farfelou du tout. Il a changé. Oui. C'est l'endroit le plus rigolo pour laisser nos empreintes. Le premier en haut a gagné. Prêt pour la course, il... Rien n'arrête les farfelous. Il faut qu'on rattrape les farfelous à temps. Tilou est là, mais il est tout seul. Tilou, pourquoi tu fais cette tête? Où sont Loon et Scarlo? J'ai quitté la meute. Moi, je voulais être un gentil farfelou, mais eux, ils ont dit que ce n'était pas possible. Tu as bien fait de ne pas te laisser marcher sur les pattes. Mais, et s'ils avaient raison? Si un gentil farfelou n'était plus un farfelou du tout? Oh oh, Pyjama Robot a quelque chose à nous dire. Forme mes écailles. Alerte aux farfelous. Loon, Scarlo, redescendez. Écoutez-moi, vous allez tomber et vous faire mal. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, Tilou? Tu n'es plus dans la bande. On va grimper jusque tout en haut. Oui, on s'amuse bien, nous. Nom d'un hibou, je vole à leur secours. Il hurle trop fort pour nous. Il n'y a qu'un loup qui pourrait s'approcher d'eux. Oh, j'ai une idée. Toi, tu peux les sauver et leur montrer comme ça qu'on peut être un gentil farfelou. Qu'est-ce que tu en dis? C'est parti. Mais ils sont deux et moi je suis tout seul. Mon hurlement ne sera pas si puissant. Le hurlement d'un gentil farfelou est plus fort que tout. C'est l'heure d'être un vrai héros. Yep, yep, yep. Waouh, Tilou, ton hurlement était incroyable. C'était celui d'un gentil farfelou. Et maintenant, il est temps de redescendre. Fais attention, les argluants. Ne me laisse pas tomber. Il retire. Glu-glu, j'arrive. Waouh, ce que tu viens de faire pour nous sauver, c'était hallucinant. On t'aime, petit loup. T'es le meilleur. Tu reviens dans la meute maintenant? Allez! Bien sûr que je reviens. On est plus que des amis. On est une famille. Alors, un farfelou a le droit d'être gentil des fois? Mais oui, si c'est pas trop souvent, poil aux dents. Ah, les copains, vous êtes trop rigolos. Trop rigolos, tu veux dire? On est les farfelous rigolos. À la prochaine, les farfelous. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un dessin de lézard au loup. Un lézard au loup? Ou un farfelézard? Pyjamasque, on crie hurrah!